saison depuis sa remontée en Pro D2 en 2012. Des Colomérins qui mènent 3-0 après 3 minutes de jeu grâce à cette pénalité de Thomas Girard. Nevers peut s'appuyer sur sa mêlée qui met à la faute le pilier droit adverse, Kane Palma Newport. Sean Reynolds en profite pour réussir sa première pénalité, 3-3 à la 12e minute de jeu. Xavier Pemeja constate la domination de Colomiers dans ce début de match, une domination qui va se confirmer. Michele Campagnero perce la défense de Nevers. L'Italien est stoppé dans les 22 mètres. Quelques temps de jeu plus tard, après une tentative du capitaine Anthony Coletta, c'est finalement Kane Palma Newport qui aplatit le premier essai du match à la 19e minute de jeu. Quatrième saison à Colomiers pour l'Anglais. Et premier essai marqué, ce n'est pas transformé, mais Girard marque une pénalité. 11-3 pour Colomiers. Les Colomérins qui sont un peu trop entreprenants et qui vont se faire punir par Aviata Silago. L'ancien Montalbanais marque son premier essai avec Nevers sur cette interception qui est transformée par Reynolds. 11-10 à la mi-temps en faveur de l'équipe de Colomiers. Les joueurs de Nevers qui se chauffent avant de débuter la seconde période. Et ça marche puisqu'ils vont mené au score pour la première fois du match à la 46e minute de jeu. 13-11 grâce à cette pénalité de Reynolds. Benjamin Dumas, l'arrière de Nevers, fait remarquer ses talents de tacleur. Peut-être une solution pour Didier Deschamps en équipe de France. Colomiers opportuniste à la 62e minute de jeu. Avantage sur un en avant de Nevers. Et Maxime Javot, juste avant de sortir, tente un drop et le réussit. Colomiers repasse devant 14-13. Les deux buteurs rajoutent chacun une pénalité. 17-16 pour Colomiers avant une fin de match complètement fome. Issa Mamel rate un lancer important dans les 22 mètres de Colomiers. Ça aurait pu être une possibilité pour les joueurs de Nevers. Romuald Segui envoie le ballon dans les 22 mètres adverses et Nevers va complètement s'emmêler les pinceaux. Dumas rate sa passe pour Derieux qui effectue un en avant repris en position de hors-jeu par Fauché. Pénalité pour Colomiers et balle de match pour Thomas Girard, l'arrière qui touche finalement le haut du poteau des perches du stade du Pré-Fleury. Colomiers aurait pu avoir 4 points d'avance, ils n'en ont toujours qu'un seul. On revoit cette pénalité qui passe vraiment, qui tombe sur le poteau. Il reste 40 secondes avant la sirène et regardez Lucas Blanc qui s'échappe petit côté. Il va être plaqué et c'est Romuald Segui, le 22 qui se met à la faute. Pénalité en faveur de Nevers, la pénalité de la gagne. Xavier Pemeja vérifie la force du vent sans grande conviction. Reynolds avait raté la pénalité du nul à Provence Rugby début septembre. Cette fois-ci, il ne rate pas la mire. Xavier Pemeja peut laisser exploser sa joie. Nevers reste invaincu à domicile cette saison.